Ce matin, Mollet parle sur ce grand sujet de la Bible. Amen. Quelle vérité. C'est quelque chose qui, aux sœurs et certains qui, beaucoup m'ont servi de Dieu, pécose, l'ont là, surtout dans ce moment-là. Alors, j'aurais senti dans mon esprit pour aussi partager quelque chose qui est très familier et qui est capable encore d'aider nous ce matin. On vous parle avec vous sur le retour de Jésus. Amen. Est-ce que nous sommes capables de dire le retour de Jésus? Amen. Quand nous sommes dans l'air ce matin, frères et sœurs, ici à l'île Maurice, si je peux vérifier, je monte, nous à 10h-15, l'heure locale ici à l'île Maurice. Ben, l'air dans ben, les autres pays, je ne pas pareil. Si nous allons en Europe là, je 2h temps ou 3h temps plus tôt qui nous était. Si nous allons en Amérique, ou bien au Canada, je 9h temps derrière nous. Si nous allons en Singapour, et je à peu près 4h temps après nous. En Australie, je 6h ou 7h temps après nous. En Inde, je 1h temps 30 minutes après nous. Chaque pays est dans son heure. Nous aussi dans nos pays, nous l'air les différents. Et ce matin, nous parlerons ensemble. Qui l'air dans réveil, bon Dieu. Alors aujourd'hui, qui l'air était dans réveil, bon Dieu. Mon point vite saute. Pour nous capables de regarder ce parabole qui est très connu de la Bible, c'est le parabole des 10 vierges. Alors, moins vite saute. Ce matin, pour vers de la Bible et l'évangile selon Matthieu, le chapitre 25. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Pour mes enfants aussi, je peux ouvrir de la Bible. Très important. Gloire à Dieu. Et bon, je te suive. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Matthieu, le chapitre 25, le verset 1er, nous pouvons lire jusqu'au verset 13. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans les vases. Le verset 5, comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile quand nos lampes s'éteint. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Amen. Le verset 10, la Bible pour dire nous ici, pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous l'ai dit, en vérité, je ne vous connais pas. Le verset 13, veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Amen. Le verset 13, nous relions ensemble. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour et ni l'heure. Amen. Alléluia. Ce matin, frères et sœurs, comme mon fils Jerli, je vous parle avec Zot sur le retour de Jésus. Amen. Quand nous trouvons et ben, si du dernier temps peut manifester autour de nous, ça a besoin interpelle-nous en tant qu'enfants de Dieu, pour qui nous capables, rappelle nous-mêmes et comprend bien qui
nous, ben chrétiens, énène, vérité de la parole de Dieu qui nous croit. Et sa vérité-là, c'est qui Jésus-Christ l'y peut retourner. À chaque fois qu'il nous trouve, sa mancie-là peut manifester. Comment c'est qu'il nous peut traverser dans le monde, frères et sœurs, aujourd'hui, ces mancies du dernier temps. La Bible fait une causerie. Et nous connaissons bien que sa mancie-là, je peux manifester avant le retour de Jésus. À cause même aujourd'hui qu'il n'a pas oublié cette vérité de la parole de Dieu. Le dernier verset qu'il nous fait lire dans sa parabole-là, il dit « Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » C'est vrai, nous pas connaissons le jour quand Jésus-Christ pourrait tourner. Nous pas connaissons la date, nous pas connaissons l'année. Ni manance, pas connaît. L'esprit des autres, même Jésus, lui aussi, il pas connaît quand il pourrait tourner. Et n'est celle qui connaît, d'après la parole de Dieu, qui connaît quand ce jour il peut arriver, c'est le Dieu Tout-Puissant. C'est l'Éternel. C'est lui seul qui connaît sa moment, sa jour, quand il peut envoyer Jésus, pour que Jésus vienne enlever l'Église. Mais ce matin, et quand nous regardons sa parabole qui nous lit, frères et sœurs, c'est une parabole qui instruit à nous pour qu'il nous capable d'être prêts quand Jésus les pourrait tourner. Allons vous répéter. Sa parabole, Matthieu 25, c'est une parabole qui instruit à nous pour qu'il nous capable d'être prêts, nous dire prêts, quand Jésus-Christ les pourrait tourner pour vivre dans les sous l'Église, long la terre. Et il est bon aussi qu'il nous comprend que sa parabole-là, c'est une parabole pour l'Église. Qui me redire par l'Église, c'est une personne qui croit dans Jésus. C'est une parabole pour un croyant, et pas pour le monde. C'est pour nous, afin que nous sommes capables d'être prêts. Alléluia. Et il montre nous aussi le travail que nous avons besoin de faire. Et ce matin, nous bouquet de ça, frères et sœurs. Alors aujourd'hui, qu'il ait été le réveil, bon Dieu. Tout ce qui nous peut entendre, tout ce qui nous peut trouver aujourd'hui, frères et sœurs, on ne peut pas dire que c'est une indication claire qui nous peut vivre dans les derniers temps et qui Jésus-Christ peut retourner. Alléluia. La Bible dit à nous, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui finent prendre la lampe et finent à la rencontre de l'époux. Amen. Ces 10 vierges-là, je te représente l'Église, je te représente l'épouse. Et l'époux ici, il représente Jésus. Et sa phrase, quand ça dit vierge, au final, à la rencontre de l'époux, veut dire que l'Église perd à la rencontre de l'époux. Quand et l'Église perd la rencontre et de l'époux qui peut venir pour lui venir enlève l'Église. Et sa parabole-là, il instruit à nous, frères et sœurs, pour qui ensemble, moi avec vous, nous capables d'être prêts pour ce grand jour qui peut approcher très vite. Alléluia. Certainement, nous pas pour rester éternellement dans ce salataire là. Non, aujourd'hui, quand nous guettons le monde, comme on tout le temps répète ça dans mon discours, conversation, quand nous guettons la terre aujourd'hui, le monde nous dit la façon qu'ils se permettent, nous la vie, je peux bâtir, je peux vivre, c'est comme si je pourrais éternellement dans ce salataire là. Et bonne vie, pour dire aux autres, personne qui pourrait s'éternellement. Non, frères et sœurs, avant la fin du monde, pour ce qu'il m'appelle l'enlèvement de l'Église. Et nous, en tant que l'Église, l'épouse de Jésus-Christ, nous pas pour rencontrer la fin du monde, mais nous pour aller avec Jésus dans le ciel de gloire. Amen. Alors ce matin, quand nous regardons dans sa parabole-là, nous pouvons guetter ensemble qui l'air y était. What's the time? Qui l'air y était le réveil, bon Dieu. Qui, bon Dieu, qui appelle nous pour nous faire. Appelle bien, qui m'ont dit où tout à l'heure là. Sa parabole-là, c'est pour nous. C'est pour l'Église. C'est pas pour un non-croyant. Mais c'est pour moi avec vous. Qui nous besoin faire aujourd'hui, frères et sœurs, quand nous vous comprenons qui nous besoin faire avant ce grand jour. Alléluia. Et nous capables de dire dans nos cœurs, nous rassurer que nous pas pour rater l'enlèvement, mais que nous pas avec Jésus. Dans le ciel de gloire. Lève-toi la main ce matin. Criez Alléluia. Amen.
La Bible dit nous tiennent 10 vierges, 5 d'entre elles, je t'y sage, et tiennent l'autre 5 qui t'y folle, nous vous comprendre un moment. La Bible dit nous qu'ils ont fini de prendre la lampe, et ils ont fini à la rencontre de l'époux. Il arrive un moment, la Bible dit nous comme cela, et comme l'époux tardait, je tout, Zophine, assoupi et Zophine dormi. Comme l'époux tardait. Aujourd'hui, frères et sœurs, pour beaucoup de chrétiens, tout nous peut dire Jésus peut tarder. Jésus peut tarder pour y retourner. On dit des autres qui Christ ne pourrait retourner dans une heure appropriée, dans l'heure qui bon Dieu les connaît. Si Christ n'y retournait aujourd'hui, il y en a beaucoup de gens qui parlent de l'enfer parce qu'ils n'ont entendu l'évangile. Mais je crois que c'est dans un moment pareil, c'est pour qu'ils tous capables arrivent à la repentance, comme dit la parole de Dieu. Et la Bible dit nous ici, comme l'époux l'intardait, tous finent dormis et finent assoupis. Aujourd'hui, frères et sœurs, on vous dit pour dire où c'est l'heure pour qu'il nous capable, nous, l'Église de Jésus-Christ, nous capable lever et sortir de nos sommeils spirituels. C'est l'heure pour l'Église lever. Alors, ce matin, laisse-moi dire que l'Église se lève. C'est pas l'heure pour nous sommeiller. Quand nous guettons la terre aujourd'hui, on ne peut pas dire, nous confond la luxure, les choses matérielles, nous l'environnement, la facilité, finalement, nous, chrétiens, pour nous sommeiller lors de la vie chrétienne. On dit quand nous guettons le confort qui nous est là, quand nous guettons l'environnement, quand nous guettons nous et nos portables, nos mondes qui donnent nous la main, quand nous guettons toute la facilité, quand nous guettons les choses matérielles, nous nous sommeillons lors de la chrétienté. Mais il y a un cri, il y a un appel. On dit, et puis demande l'Église, on dit, pour nous capables de rise up. Pour nous capables lever en tant qu'Église, lever en tant que sel de la terre, lever en tant que lumière du monde. Alléluia. Laisse-nous sortir de nos sommets spirituels. Et comme on le dit ça, frères et sœurs, on souligne ça dans le verset 5. Les dire, tout s'assoupir et s'endormir. Qui m'en folle, qui m'en sage, tous les 10 finent dormir. C'est la 5 qui t'y prend la lampe avec de l'huile. Il y en a l'autre 5 qui t'y prend seulement la lampe. Mais tous les 10 finent dormis. Tous les 10 finent sommeillés. Aujourd'hui, frères et sœurs, nous capables d'un ancien. Dans toute l'humilité, on va dire ça. Nous capables d'un serviteur de Dieu. Nous capables de ce qui nous était dans le corps du Christ. Mais sans nous rendre compte avec tout ça, même toute chose qui nous demande nous-là, il arrive, il est capable qui nous tous nous capables de sommeiller. Ils ont dit, nous capables de tout, fin reposer, fin sommeiller dans nous la vie spirituelle. Nous contentons-nous de nos bénédictions. Nous contentons-nous de à le culte les dimanches retourner. Nous contentons-nous d'un petit moment de prière. La Bible dit nous, tout fin dormir. Pas si c'est sage, pas si c'est folle. Non, tout fin dormir. Aujourd'hui, il suffit que tu examines tous les cœurs. Les capables, le confort, les capables, la luxure, les capables, l'argent, les capables, le bien matériel. Finalement, toi, dans une condition, quand tu es reposé, tu es sommeillé, ah, tu es satisfait, tu es ce que tu as besoin, et tu arrives et rencontres-les. Mes frères et sœurs, Jésus peut pas venir enlever l'église sommeillée, mais Jésus peut venir enlever l'église vivante. Jésus peut venir enlever l'église glorieuse. Jésus m'a mis dans l'air, l'église qui n'a pas dormi, l'église qui est réveillée. Alléluia. L'église qui est dans une lisière spirituelle ouverte. L'église qui nous cache. C'est pour cela aujourd'hui. Ce qui t'a capable d'être, t'es capable. Ce qui t'a été dans le corps du Christ. Ou invite-toi ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, pour t'es capable de rise up, pour t'es capable de lever. Alléluia. Le besoin comprend la stratégie du diable. Qu'on t'y suive. Le besoin comprend le plan de l'ennemi. Comment Satan y travaille.
Amen. Nous connaissons nous, le diable n'est pas puissant, mais nous, bon Dieu, est tout puissant. Amen. C'est vrai. Bon Dieu finit parler à travers la bouche d'un prophète. Bon Dieu finit parler dans sa parole. Quand il finit montrer nous qu'il peut éclater sur la gloire dans les derniers temps. Le prophète Agé vous dire la gloire de la dernière maison pour plus grande que celle que la première. Le prophète Habacuc finit dire et quand la terre peut être remplie de la connaissance de l'Éternel. Le prophète Joël finit dire bon Dieu pour répandre sur l'esprit le toute chair dans mon dernier jour. C'est vrai. Ça manque quelque chose là, il peut arriver. Ça manque quelque chose là, il peut continuer à arriver. Alléluia. Satan, le diable, il n'est pas capable d'empêcher. Ça manque quelque chose là, arriver. Parce qu'il n'est pas tout puissant. C'est nous, bon Dieu, seul qui est tout puissant. Lève la média, alléluia. Mais il y a quelque chose qui, le diable, il peut faire. Pour qui, toi, quand ça manque quelque chose là, il peut arriver. Te pas recevoir ni. Te pas expérimenter. Qui ce stratégie? Suis bien de vous comprendre. C'est qu'il n'est pas mène toi d'un sommeil spirituel. Comme ça, quand ça l'appli là peut tomber, le frère fin chantli, l'intitulé. Quand ça l'onction là peut descendre, quand sa puissance là peut tomber, tu es un croyant qui perdu. Tu es un croyant qui ne sommeillé. Et quand les autres peut bénir, quand les autres peut goûter de ça la gloire là, quand les autres peut recevoir sa chéquina là, toi, tu es un chrétien qui peut vivre dans l'ordinaire, te dire, et tout pareil, mais non, non, ils ont dit, ah, qui fait, le diable, il plonge toi dans le sommeil spirituel. M'aurait dire ça, c'est une vérité que le Saint-Esprit va me comprendre. Satan, pas pour capable, arrête ce qui bon Dieu pour faire. Mais il y a quelque chose qu'il est capable de faire. Il est capable d'amener toi dans un mode de sommeil. Un mode, quand tu as soupi. Et comme ça, quand ça peut descendre, alléluia, tu rates le plan de Dieu. Mais aujourd'hui, ouvert ton lisier, mon frère, mon soeur. Ouvert ton lisier spirituel. C'est pour cela Jésus, il pleure. Lors Jérusalem, quand il dit à Jérusalem, tu rates le jour de ta visitation. On vient pour dire toi ce matin, pas venir un chrétien raté, non. Mais venir un chrétien qui manque tout le temps en expérimentant les choses que le Saint-Esprit lui peut envoyer. L'église, lève-nous la main, laisse-nous crier, alléluia. Déclarer aujourd'hui qu'il y a un chrétien connecté avec le ciel. Écrire-les sur le lait. Et moi, un enfant de Dieu connecté avec mon bon Dieu, alléluia. Et pendant qu'un péché, pendant qu'un problème, pendant qu'une situation, pendant qu'un démon qui est capable de déconnecter, toi, alléluia, avec sa grand bon Dieu là. Lève-toi la main, crie, alléluia. Cosa même ce matin, laisse-nous lever. Examine tes conditions. Amen. Alléluia. Tout fin dormi. Tout fin dormi. Qui m'en sache, qui m'en folle. Son dit-moi la prière qui nous servait de Dieu par grâce. Nous capables de lever. Qui m'en ancien, il levé. Qui m'en nouveau converti, levé. Qui nous m'en papa levé, qui nous demande maman levé, qui nous demande jeunesse, qui nous demande jeune homme, qui nous demande jeune fille levé, qui nous demande adolescent levé, qui nous demande enfant levé, prophétisé, dans le nom de Jésus, alléluia, alléluia. Ce matin, frères et sœurs, lève-toi, brille, quand ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel, il repose, toi. C'est pour cela, frères et sœurs, Dieu, il appelle nous. Dans le livre de Romains, il y a un verset qui me le cite avec d'autres. Romains chapitre 13, le verset 11. Il dit, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller. Enfin, du sommeil. Il dit, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller. Enfin, du sommeil. Si tu es croyant qui bon Dieu fait déverser l'appel lors de la vie, tu es un ministère, tu es une grâce, bon Dieu fait consacrer toi pour une chose. Pas dormir, ils ont dit, mon frère, mon sœur.
pas dormi, ils ont dit, alléluia. Mais lève-toi, lève-toi, lève-toi aujourd'hui. Lève-toi, alléluia. Pas sommeiller dans la présence de Dieu. Qu'on discerne ce que le Saint-Esprit peut faire. Qu'on trouve une distraction qui peut dévier toi de sa plan qui, bon Dieu, est là pour toi. Alléluia. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra, la Bible chez nous. Alléluia. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir, le Dieu d'Hébreu pour dire, celui qui doit venir viendra. Jésus revient. À cause même ce matin, le Seigneur lui parle avec nous. Amen. Alléluia. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi dans les mots. Et Christ, alléluia, t'éclairera. Lève-toi ce matin dans ta vie spirituelle. Lève-toi dans ta vie de prière. Lève-toi dans ta vie de consécration. Casse ma routine. Casse ma mauvaise habitude. Renonce à la fatigue. Renonce à la paresse. Repousse ma pensée qui redomine tous les cœurs. Lève-toi les cœurs, Zonti. Habitude de tout fin assoupi, tout fin endormi. Tu as servi le Seigneur, te l'arrêter un moment. Ils ont dit, c'est le temps pour te réconsacrer toi. Ils ont dit, c'est le temps pour te dire comme Esaïe, me voici Seigneur, envoie-moi, alléluia. Laisse le Seigneur servir toi ce matin. Laisse le Seigneur servir de la main pour t'amener une guérison. Laisse le Seigneur servir de les pieds pour t'amener des armes à Christ. Réveille-toi, bien-aimé. Lève-toi la main, crie alléluia. Amen. Alléluia. Te connecter avec le ciel. Amen. Le Seigneur appelle nous pour dire, il y a dit, veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Et vous êtes comme un gardien spirituel. Personne pas emploie un gardien sur la case. Après, le lendemain matin, un gardien là, il vient vers vous pour dire, où moi, je fais un rêve. S'il si fait un rêve, il veut dire, il dormit le soir. Bon Dieu, parlez, qui nous sommeillait surtout dans ce moment-là. Mais bon Dieu, appelle-toi aujourd'hui. It's time to wake up. Et il y a un sonnet d'alarme qui peut sonner. Dieu lui peut parler tantôt d'une manière, tantôt d'une autre manière. Mais ce matin, lève-toi, bien-aimé. Quand nous continuons à lire, frères et sœurs, habille-nous comme cela. Au milieu de la nuit, alléluia, ben la crier, voici l'époux. Laisse-moi à son rencontre. Alors, tout ma vieille, je te réveille, le verset 7. Et la Bible dit nous comme cela, je te prépare, je te la lampe. Amen. Tout réveillé et je te prépare, je te la lampe. Tu dis à préparer. Amen. Préparer. C'est le temps aussi, frères et sœurs, deuxièmement, pour nous préparer, nous, la vie. C'est le temps pour nous préparer, nous, la vie. Et un cousin anglais qui dit « Preparation time is not wasting time ». Le temps de préparation, c'est pas le temps de gaspillage. C'est le temps de se préparer. Au commencement du confinement, et c'est un message que Dieu qui parle avec nous. Si je t'en rappelle, il dit bon que je te rappelle, dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 19, le verset 7, 8 et 9, pourquoi je te rappelle, le message, c'était au début du confinement. Christ peut préparer l'épouse. Si je oublié le message, ou bien je n'ai pas fini d'écouter, je suis capable de retourner là où nous parle, et va quoi, Eddie Church, et je vous trouve la prédication. Si vous ne pas trompé, c'est le dimanche 29 mars. Christ prépare l'épouse. Et là, nous trouver, tous les 10, je te lever. Et je te prépare, je te la lampe. Et il y a un moment que Dieu met de nous dans ce moment-là. Laisse-moi ressouligner cette parole que Dieu parle avec nous. Ce moment qui nous peut vivre, là, frères et sœurs, c'est Christ qui prépare l'épouse. Bon Dieu, il arrête la terre. Bon Dieu, il arrête le monde parce que moi, mes coups, nous sommes trop busy. Nous sommes trop occupés. Vous connaissez un mot busy. Il est écrit B-U. S, Y. Et quand nous guettons, et ça m'obéit là, il veut dire be under Satan's yoke. Ah, tellement nous disons nous occuper, nous occuper, nous occuper.
Nous restons sous le joug du diable, comme si c'est Satan, le diable, qui fait contre nous. Et quand mon Dieu guette la terre, quand il guette l'église, quand il guette même vivant, quand il guette même croyant, peine les temps pour mon Dieu, peine les temps pour les sources de Dieu. Mon Dieu, fin arrête la terre pour que nous, l'église, nous capables de répandre. Nous ne sommes pas dans l'état pour répandre nous. Nous sommes juste de l'église. Comme les croyants, nous sommes juste de l'église. Remplis sa fonction de croyant vis de l'église. Et mon Dieu, pas les ça. Mon Dieu, les plus qui ça. Mon Dieu, les qui nous donne relation avec lui. Ce matin, moi, la prière et ce qu'il m'a demandé dans le nom de Jésus, c'est que Dieu me demande nous. C'est que dans ce moment-là, sa relation avec le Seigneur l'y restaurer. Amen. Lève toi la main ce matin, déclare-lui. Dis à sa relation avec bon Dieu qui m'a l'y restaurer dans le nom de Jésus. Redéclare-lui. Dis à mon relation avec bon Dieu l'y restaurer dans le nom de Jésus. Recevoir cette parole. Bon Dieu, il restaure sa relation. Alléluia. Pas vous capable de dire, nous allons temps. À me croire et me prier l'eau là, de tout mon équerre. Quand l'assemblée pourrait ouvrir, quand nous pourrions trouver nous dans la grande assemblée, l'église pour réunir, nous pourrions trouver un visage qui nous pas trouvé depuis longtemps. Nous pourrions trouver un visage ou bien une personne qui n'abandonne le Seigneur se pourrait tourner. Est-ce qu'il te croit là-dedans? Je te crois là-dedans. Crier Alléluia. Ben rétrograde, père élevé. Ben découragé, père tourne vers le Seigneur. Dans le nom de Jésus, le temps. Aujourd'hui, c'est pour que moi avec vous, nous capables de préparer nos frères et sœurs. Amen. Alléluia. Amen. Pareil quand nous faisons un voyage, pareil quand nous faisons un mariage, nous préparons nous. Nous préparons le vêtement, nous préparons nos sacs. Nous préparons nous. Sans réunion là, nous préparons moi dans la prière. Le mal frère qui fait une santé, qui fait une prière, je le prépare aussi. Nous préparons nous pour ça live là. Une joignière pour nous capables de tester tout par rapport à sa live là. Tout ça, là, nous besoin de faire parce qu'il est différent. Et il y a un moment de préparation qu'il peut faire pour la terre, pour un événement de la terre. Et l'esprit des autres, pour cet événement du ciel, pour cet événement qui peut venir là, nous aussi besoin de prépare-nous. Prépare-nous vêtements, prépare-nous l'équerre, prépare-nous dans nos conduites, prépare-nous. La Bible nous est levée, nous est préparée, nous est alléluia. Amen. Quand mon Dieu t'a montré Joseph qui pouvait cette année de famine, dans cette année d'abondance, Joseph t'a préparé pour sa cette année de famine. Frères et sœurs, dans ce moment qui mon Dieu peut donner toi, prépare-toi. Écrire ce qui mon Dieu peut donner toi. Un message, un sang, une pensée, une parole. Qui bon Dieu peut donner toi, écris-lui. La semaine, je peux causer avec un homme de Dieu. Et le pasteur, le serviteur de Dieu, peut parler avec moi. Il peut partager avec moi un message que Dieu vient de lui. Et il finit d'écrire ce message, il va le garder. Et le jour pour venir, pour être capable de donner sa parole à l'Église. Le Seigneur peut parler avec toi, tu es capable d'être son leader. Bon Dieu peut donner toi un cantique. Tu es capable d'être ancien. Bon Dieu peut ramener d'autres l'esprit. Peut-être le travail que tu as fait au début en l'évangile, tu viens dans l'île Maurice, et mon Dieu, paix à toi, relève-toi, répratique de ma première œuvre, prépare-toi, alléluia. Frères et sœurs, c'est un moment de préparation. Parce que quand l'apôtre Jean, il regarde la vision de l'Église dans le livre d'Apocalypse, la Bible comme cela, il trouve une Église préparée. La Bible comme cela lui dit, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui la gloire car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Amen. Dans Apocalypse chapitre 19, le verset 7. Son épouse s'est préparée. Alléluia. Amen. On finit d'écrire ça ici dans mon papier. Heaven is a prepared place for a prepared people. Le ciel, c'est une place préparée pour un peuple préparé. Amen. Rappelle bien ce que Jésus vient dire. Bon, puis allez, on prépare une place pour vous autres. Le ciel, c'est pas le ciel en des autres. Non. Jésus, il prépare une place. Le ciel, c'est un lieu préparé.
Bon Dieu, Jésus nous prépare une place pour toi. Le ciel, c'est pas le ciel de des autres. Le ciel, c'est le ciel en eau, préparé. Quand ça même, on dit, bon Dieu, pour toi, mets l'eau dans de la vie, prépare-toi. Mets l'eau, alléluia. Il y a quelque chose qui te faisait enlever dans ce moment-là. Il y a quelque chose qui te faisait renoncer. Il y a quelque chose qui te faisait repousser. Il y a une pensée qui est aujourd'hui, te faisait n'oublier pas ça dans le nom de Jésus. Il y a une action qui te faisait avancer dans le nom de Jésus. Et met un autre spirituel dans sa temple. Alléluia. Mais crie alléluia. Amen. Le Saint-Esprit veut parler avec nous. Amen. Amen. Et la main, quelque chose qui te faisait déconnecter. Et la main, contact qui te faisait couper. Et la main, la ligne qui te faisait déconnecter. Frères et sœurs, mais spirituellement, alléluia. Amen. Et l'autre, le ciel, c'est une place préparée pour un peuple préparé. Peut-être que je dis amen. Alors, on dit, prépare-toi, bien-aimé. Prépare-toi. Lève-toi la tête d'un petit peu là-haut. Prépare-toi à la rencontre de ton époux. Il est bon. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Amis, nous sommes levés tous les 10 et nous sommes préparés. Souligne sa mot préparé dans la Bible. Alléluia. Lève-toi ce matin. On redit, le ciel, c'est une place préparée pour un peuple préparé. Comme on continue et nous finissons à lire ensemble. Ah! Histoire, montrez-nous qui, sur tous les 10, tiennent la lampe, mais là-dedans, seulement 5 qui tiennent de l'huile dans la lampe. Et l'autre 5, je tiens la lampe, mais je ne pas tiens à l'huile. Et la Bible nous comme cela, ben, faut, je dis avec ben ça, donne-nous un petit peu de l'huile, parce que nous, la lampe éteint. Alors, on ne peut pas allumer sans de l'huile. Dans ça, je te réponds, nous payons assez pour nous-mêmes. Nous ne sommes pas capables de nous aller à l'acheter. Et quand il y a des gens qui vendent. Alors, frères et sœurs, ça de l'huile-là est symbolique. Ça de l'huile-là est important. Peut-être nous tous, nous avons la lampe. Mais il y en a seulement 5 qui tiennent à l'huile. Et j'ai de la lampe éteinte. J'ai de la lampe pour diminuer. Parce qu'il y a un manque de l'huile. L'huile qui les symbolise quand on lit la parole de Dieu. Habit par nous l'onction d'huile. L'huile symbolise le Saint-Esprit. Amen. L'huile symbolise le Saint-Esprit dans nous la vie. La puissance du Saint-Esprit dans nous la vie. Ils ont dit, tu es capable de mettre la lampe, mais tu peux l'huile. Tu es capable, et dans le ministère, sans te rendre compte, le Saint-Esprit quitte de la vie. Tu es capable de mettre l'appel de la vie, mais tu peux l'huile. Tu es capable de mettre l'enfant de Dieu, mais tu peux ça, l'huile du Saint-Esprit en toi, pour capable de toi éclairer, pour capable de toi briller, pour capable de toi fort et béni dans ce monde-là. Tu sais, peut vendre de toi la lampe, mais l'huile peina. Ce matin, frères et sœurs, ce qui nous besoin dans nous la vie, c'est ça, anointing, c'est ça l'onction du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. C'est ça, puissance du Saint-Esprit, là, nous bise dans nous la vie. Amen. Tu es capable d'opérer, mais sans l'huile. Tu es capable d'opérer, mais sans le Saint-Esprit. Qu'on sait même quand nous trouve qui Jésus, il est rempli du Saint-Esprit, il est revêtu du Saint-Esprit. Qu'on sait même qu'il n'est pas fini, ce disciple, à opérer seulement avec la lampe. La lampe n'est capable de représenter nos ministères. La lampe n'est capable de représenter la parole de Dieu qui nous est là en nous. La lampe n'est capable de représenter l'expérience. La lampe n'est capable représente nos connaissances. La lampe n'est capable représente l'ancienneté. La lampe n'est capable représente le travail qui nous met bien pour Dieu. La lampe n'est capable représente ce qui nous était devant Dieu. Mais ce qui nous besoin, c'est le Saint-Esprit. Amen. À cause de ça même, Jésus dit avec son disciple, « Al-Atan à Jérusalem, parle au Père
seulement avec la lampe. Elle opère avec le Saint-Esprit. Amen. C'est pour cela qu'elle attend jusqu'à qu'ils reçoivent la puissance qui vient d'en haut. Amen. Parce qu'il y fait ce connaissance sans le Saint-Esprit lui-même, ce qui lui était sans le Saint-Esprit n'est pas plus efficace. Amen. Lève-toi la main, dis ensemble avec moi, mon bizarre, le Saint-Esprit. Dis, Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit, pas dans autres. Alléluia. Amen. Jésus vient dire avec son disciple, à la table, jusqu'à qu'ils aient recevoir le Saint-Esprit. Pas au Père sans sa déluile-là. Pas prie sans sa déluile-là. Tu n'as pas un homme de prière, tu n'as pas une femme de prière, mais tu me prie par ton intelligence, tu me prie dans la chair, au Père, avec ça la lampe. Ben, folle, je tiens avec ben ça, donne-nous un petit peu de l'huile. Mon frère, ma soeur, ce matin, tu le bien appelle-nous pour que nous capables de cette huile-là. Nous capables de cette anointing, le Saint-Esprit là. Nous sentir le Saint-Esprit là. Amen. Tu as besoin de cette huile-là. Tu as besoin de ça. Le Saint-Esprit comme une personne. Recevoir le Saint-Esprit ce matin. Recevoir la personne du Saint-Esprit dans toute la vie. Laisse mon Dieu remplir toi ce matin. Je tiens à la lampe, mais je patine à de l'huile. Amen. Vous êtes de l'huile. De l'huile, il y a une matière, une substance qui est bien importante. Amen. Parfois, quand il y a un graissement, vous mettez de l'huile. Quand la peau est grincée, il fait tchouin. Là, nous dit, il y a un truc de l'huile. Et là, ça m'a combat là. Amen. Et c'est que le Seigneur ne peut demander nous, frères et sœurs, c'est que nous avons besoin l'huile du Saint-Esprit. Parfois, nous la vie et d'un engraissement. Parfois, il y a un engraissement qui est capable de nous foyer, de nous la casse. Il y a un engraissement dans nos propres la vie. Ils ont dit le Seigneur peut demander pour qu'il nous capable et la sainte lumière dans la vie. Laisse le Saint-Esprit remplir toi ce matin. Tous les jours, quand tu mets toi dans la prière, demande le Saint-Esprit pour remplir toi. Demande le Seigneur pour être capable de verser ce Saint-Esprit dans ta vie. Connais la main, quelque chose qui finit. Interrompe la vie. Ils ont dit recevoir le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Amen. Recevoir le Saint-Esprit dans tous les cœurs. Amen. Laisse-le remplir toi ce matin. Ce n'est pas un graissement spirituel, ce n'est pas un graissement de la vie enlevé. Pour toi-même, il y a une personne bénie dans la présence de Dieu. Alléluia. La Bible peut dire dans 1 Thessaloniciens, au chapitre 5, le verset 19, l'apôtre Paul y écrit pour dire, n'éteignez pas l'esprit. Pas l'esprit dans ta vie. Pas l'esprit dans ta relation avec Dieu. Ça veut dire cette phrase. N'éteignez pas l'esprit. Tout ce qui le Saint-Esprit vient pour faire dans toute la vie, donne-lui la permission. Pas bloque le Saint-Esprit. Ce n'est pas tout l'agenda, mais c'est seul l'agenda dans toute la vie. Nous pouvons prier ce matin. Demande-toi, pas éteindre l'esprit. Il y a un travail que le Saint-Esprit. Il vous révèle toi quelque chose à ce moment-là. Et pour montrer toi quelque chose spécifique pour toute la vie. Peut-être qu'il vous donne toi une date ou un projet pour toute la vie. Il vous donne toi une période de toute la vie qui peut être un éclatement. Prends-le. Acceptez, soumets-toi à son agenda. C'est ça qu'il a bien dit. Patin l'esprit. Et bien, ça lui là dans la vie. Laisse-le remplir nous
dans nos églises, dans nos vies, dans nos assemblées, dans mon avis, le besoin, ça de l'huile-là. Pas capable de prendre le Saint-Esprit, mettre lui dans une boîte. Ne pas capable de mettre nous la tête devant. Ne pas capable de mettre nous conseil devant. Mais nous besoin se conseiller, même nous conseiller, Saint-Esprit. Remplis-nous ce matin, lève-toi la main, Dieu dit remplis-toi, Dieu dit remplis-moi la vie, Saint-Esprit, alléluia, même nous, pas de réunion, les online, frères et sœurs, même nous, pas trop autres, mais nous croyons que la puissance de Dieu peut pénétrer les autres, la case, et il y a du feu qui descend dans les autres, alléluia, ce matin, pas les sidangués, coupe le Saint-Esprit dans ton vie. Amen. Pas le Seigneur éteint le Saint-Esprit dans ton vie. Alléluia. Ce matin, le Seigneur est là. Amen. Gloire à Dieu. On va continuer, frères et sœurs. Habitez-nous comme cela. Pendant qu'il y a une folle finalité. L'époux finit. Pendant qu'il se finalité. L'époux finit. Et ceux qui t'y prêtent, les saints, vieux sages, nous finirons dans la salle des noces. Et une phrase qui dit nous, la porte fut fermée. La porte fut fermée. Qu'on sait même que sa parabole-là, on dit le commencement. Et instruis-nous pour qu'ensemble, moi avec vous, nous sommes capables de prier pour le retour de Jésus. La porte fut fermée. Appelle bien. C'est bon Dieu que tu fermes la porte de l'arche. Et quand la porte est fermée, personne n'est pas capable d'ouvrir. La porte fut fermée. Et plus tard, c'est trop tard. La vieille fin finie. Le fin tape la porte, vous allez dire, Seigneur, ouvre-nous. Ouvre-nous, Seigneur. Et le verset 12, quand on lit cette phrase, chaque fois qu'il me lit ça, aux larmes écoulées, parce que c'est une phrase, c'est une déclaration pénible. C'est une déclaration qui, personne n'a pas tant envie de sa déclaration de Jésus. Quand je frappais Jésus, il dit une parole. Cette parole, il faut, frères et sœurs. Jésus dit dans le verset 12, « Je vous l'ai dit en vérité, je ne vous connais pas. » D'autres places dans l'évangile, Jésus peut dire. Plusieurs peut dire, Seigneur, Seigneur, est-ce que nous m'avons fait prêcher ta parole? Est-ce que nous m'avons prophétisé? Est-ce que nous m'avons fait guérir les malades? Jésus peut dire, mon parcours d'autres, ouvrier d'iniquité, retiens autres de moi. Ici, il dit, mon parcours d'autres, quelle parole est touchante, frères et sœurs. Aujourd'hui, on entend ces paroles. Il y a quelque chose qui monte dans nous les cœurs ce matin. Il y a quelque chose qui monte dans nous les cœurs, c'est ceux qui portent au contraire Christ. Ceux qui peuvent périr dans cette incrédulité. Ceux qui peuvent périr dans ce péché. À cause de cela, moi aussi croire qu'il est dans le réveil, mon Dieu. C'est le temps pour le capable de dire à ce monde-là qu'il y a Jésus qui est vivant. C'est le temps pour l'évangéliser. C'est le temps pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Qu'on savait, mon Dieu, au commencement, sa parabole-là est pour nous. Sa parabole-là est pour l'Église. Oui, un, bon Dieu, permet-nous pour nous lever. Deuxième, bon Dieu, permet-nous pour nous préparer. Troisième, bon Dieu, permet-nous pour nous garder. C'est l'huile du Saint-Esprit en nous. Et là, le Seigneur, quatrièmement, permet-nous, nous qui sommes la vérité, de nous recevoir gratuitement. Bon Dieu, permet-nous pour nous donner gratuitement. Et c'est là que le Seigneur appelle nous, frères et sœurs, pour nous capables d'évangéliser. Qu'on sait même le dire avec son disciple. À la terre de Jérusalem, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit divine, l'on-toi, qui fait, tu es content, tu te dis, moi, l'homme le plus béni. Non, mais pour qui tu es capable d'être un témoin dans ton propre Jérusalem. Autour de toi et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Jusqu'aux extrémités de la terre. Bien-aimé, aujourd'hui, lève-toi.
comme un évangéliste. Lève-toi comme un témoin. C'est le temps pour nous dire à ce monde-là. S'il te plaît, envoie un bon message à ton camarade. Dis à ceux qui sont Jésus vivant. Il est facile parfois d'envoyer un message pour faire du monde rieux, pour faire du monde content, pour faire du monde peut-être plaisir. Mais il y a un message aussi qui peut traverser concernant les choses d'en haut. Envoie une parole aujourd'hui. Écris. Jésus compte en toi, mon ami. Envoie ça à ton ami. Recevoir Jésus dans ta vie, mon ami, tu es capable d'envoyer ça à ton camarade aujourd'hui. Pas besoin d'inquiète-toi, ce qu'il peut dire. L'important, c'est qu'il te donne la bonne nouvelle. Aujourd'hui, frères et sœurs, laisse-nous servir l'Internet, laisse-nous servir dans le réseau social, laisse-nous servir sa plateforme-là pour nous capables de propager l'évangile. Amen. C'est une parole. Tout ça, je ne vous connais pas. Mon frère, ma sœur, servis ce qui m'ont dit de toi, ma outil, pour être capable de proclamer ce nom. Ce qui m'ont dit de nous, le peuple public, ce nom. Aujourd'hui, il est facile pour nous voir quelque chose insignifiant, quelque chose comique. Enfin, les hommes, aujourd'hui, peuvent faire toute qualité vidéo, toute qualité et quelque chose dans ce moment-là. Mais laisse-nous sème la parole. Laisse-le vivre comme ça semeur là, qui levait le bon matin. Il sème la parole, il sème la parole, il sème la parole. Téléphone un camarade, téléphone une famille. Dis-lui, passe le temps de crise. Tourne-toi vers Jésus. Tourne-toi vers le Seigneur, bien-aimé. C'est le temps pour l'Église, nous lever. Partir pas mon travail. Non, frères et sœurs. Nous tous, nous appeler comme un témoin. Tu n'as pas appelé le ministère d'un évangéliste. Mais tu as la grâce pour témoigner, tu as l'onction, tu as le Saint-Esprit en toi pour capable mettre une parole dans ta bouche pour te témoigner. Si tu connais un camarade qui l'a sur Facebook, si tu connais un camarade qui l'a sur un réseau social, invite-lui un dimanche matin pour lui entendre la parole de Dieu. Joins avec lui, invite-lui, fais-lui connaître sa page-là, fais-lui écouter la parole de Dieu. Alléluia, amen. Pas dire qu'il est pour dire, laisse-lui entendre. Oui, fais ton travail et le Saint-Esprit dit pour faire son travail. Amen. Sauve Manzam dans ce moment-là. Prépare Manzam pour qu'il y ait une assemblée pour réouvrir, pour un éclatement, pour un réveil de ma nouvelle âme qui peut nous donner le cœur à Jésus. It's time to evangelize. C'est le temps pour nous capables d'éviter l'enfer et remplir le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Sauve un âme. Sauve un membre de famille qui n'est pas contre Jésus. Ce matin, si tu peux écouter la parole de Dieu, on le dit à qu'il y a un seul sauveur, il y a un seul Seigneur, il y a un seul Rédempteur, il y a un seul salut. Il n'y a aucun salut en aucun autre nom, si ce n'est le nom de Jésus. Et dire à nos apôtres 4:12, il n'y a le salut dans aucun des autres noms. Et un seul moyen pour lequel nous sommes capables d'être sauvés, de dire possible la vie éternelle, c'est à travers Jésus. Comme ça même aujourd'hui, recevoir Jésus dans ton vie. Acceptez-le comme un Seigneur, un Sauveur. Si aujourd'hui tu fermes ton yeux sur la terre, avec Jésus, tu pouvais aller dans le ciel de gloire. Alléluia. Quelle parole Jésus te dit avec l'homme qui tue la croix, le brigand, il dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, aujourd'hui, recevons Christ dans tous les cœurs. Il est un témoin pour lui, qu'il est le réveil, mon Dieu. Ce n'est pas le temps pour lui dire, vous croisez-moi les bras, m'attendre, Jésus est tombé. Non. Oui, tu peux attendre, mais attendre en sauvant des âmes. Attendre en gagnant des âmes, venez gagner d'âmes, venez pécheur d'hommes, alléluia. Par réponse, pas seulement notre bénédiction. C'est ce que Jésus dit faire avec Pierre. Quand Pierre, tu gagnes, débatte le poisson. Ce besoin, ce jour-là, c'était poisson. Il faisait rentrer la case avec poisson. C'était son métier.
Mais, rappelez-nous comme cela, quand il vit drôle le miracle de Dieu opéré dans sous la vie de nous, l'épouvante fin saisie, la crainte fin saisie sur les cœurs, et les fin dire avec Christ, retire-toi de moi, parce que, mon homme pécheur, retire-toi de moi. Ce matin, frères et sœurs, Dieu bénis-toi. Même dans ma désobéissance, mon Dieu vient éclate sur la gloire de la vie. Mais on dit, connais qui mon Dieu est content de toi. L'entendre la semaine dernière, mon Dieu lui répond par des bonnes paroles. Pierre dit, la Bible nous l'épouvante, fin saisie-lui, la crainte, fin saisie-lui. Et la Bible nous comme cela. Jésus a dit, suive-moi, Pierre, que vous n'êtes plus pêcheur poisson, mais à partir d'aujourd'hui, que vous pêchez d'homme. Amen. Aujourd'hui, frères et sœurs, qu'il épouvante, qu'il la crainte, et saisis-nous les guerres. Quand on trouve du ce qui bon Dieu fait, frères et sœurs, même dans son confinement, la bon Dieu pas délaissé. Quand on trouve du ce qui bon Dieu fait, qu'il la crainte, et saisis-nous les guerres, qu'il la paix de Christ, et saisis-nous les guerres, et le Seigneur, pardonne-moi. Ou pas mérite ça, mais de le faire ma grâce. Alléluia. Ils ont dit, mon Dieu, pour ne pas t'asseoir avec vos bénédictions. Une autre poisson, quand les gars débattent au poisson, les autres poissons, ils suivent Jésus. Suivent Jésus. La Bible nous comme cela. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection de Jésus. Cela le trouve dans les apôtres chapitre 4. Amen. Le verset 33. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection de Jésus. Et regarde qui la Bible dit à nous. Et une grande grâce reposait sur eux. Amen. Je tirais avec beaucoup de force témoignage de la résurrection de Christ. Je veux dire, je compte ce qui passait. Je te dis à Dimoun concernant la résurrection de Jésus. Je te proclame la bonne nouvelle que Jésus est ressuscité. T'as envie bénédiction, t'as envie grâce repose dans toi. Et d'un secret, Actes apôtres 4:33. T'as envie une méga grâce repose dans ta vie. Cause Jésus à te prochain. Cause la résurrection de Christ. Dire à sa monna que Jésus est vivant. Et guette toi-même. Sa grande grâce qui bon Dieu pour manifester dans ta vie. Et une grande grâce. Lia-li, médite-le là. Commence faire-lui ce matin, frères et sœurs. Et la Bible nous comme cela. On lire le verset qu'il lit. Jésus dit, je ne vous connais pas. Et le parabole est terminé pour dire, payez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Ce matin, mon frère, ma soeur, vous connaissez autres là avec nous. Amen. Je demande-toi, prépare-toi. Ne pas connaître le jour, ne pas connaître l'heure. Si nous tu connais, mais tu vous prépares nous. Si nous tu connais, mais tu peux faire un taquet de choses. Personne ne va te connaître. Personne ne va te connaître. Mais Dieu les connaît tout. Je me rappelle, mon petit père partage ça avec ma frère. Avant le confinement, si je termine avec ça. Avant le confinement, tu rentres en confinement le vendredi, le 20 mars. Une semaine avant le confinement, c'était vendredi le 13 mars. Et à Vacoua, à l'église, ben, croyant de Vacoua, c'est pour certifier ce qu'il m'a dit. Je suis d'accord. Vendredi le 13 mars, nous ne connais si pas nous pourrons en confinement. Quand, si pas une semaine après. Mais nous sommes préparés pour vendredi le 13 mars, nous faire un rayon de prière spécial. Combien rappelle ça? Nous tiennons une réunion de prière spéciale. Nous disons à l'église, nous prenons une réunion de prière spéciale pour le monde entier. Nous prions pour l'île Maurice par rapport à sa problème de virus. Nous finis annoncer que dans nos réunions de prière les vendredis et le 13 mars, nous prenons une réunion de prière spéciale et une réunion de prière que nous prions uniquement pour ce combat-là. Et nous donnons une requête de prière. Ce jour-là, c'est un bon nombre qui finit. Et c'est là aussi un bon nombre qui pâtit là. C'était le 13 mars. Nous ne connaissons rien qui pouvait là, qui peut arriver, confinement, nous ne connaissons rien qui manda. Nous nous disons, fais une réunion prière. Mais, frères et sœurs, nous ne connaissons pas qui, ce jour-là,
C'était comme si nos derniers réunions de prière. C'était nos derniers réunions de prière. Comme si quelque part, laisse-moi y aller comme ça, comme si mon Dieu, tu perds tant qu'il nous priait après nous retourner au confinement. Seule semaine après, une semaine après, vendredi le 20, l'église fermée. Peine à l'assemblée. Et pour nous la case. Quand nous t'y pour connaît. Peut-être beaucoup croyants t'y pour dire une parole. Ah, si moi tu connais qui c'était dernier rayon prière avant confinement, moi tu pour vini. Ah, si moi tu connais qui vendredi le 13 mars c'était dernier rayon prière, moi tu pour vini. Si vraiment nous t'y connais, moi tu pour dire comme ça, frère, moi tu annonces, mais voilà, nous dernier rayon prière le 13 mars après nous pour rentrer en confinement. Si nous t'y connais, nous t'y allons. Tout le monde t'y pour vini. Qui fait, parce qu'il n'y a pas pour une réunion prière encore, il y a un confinement après. Alors nous vini. L'église vous remplit, mais personne ne va t'y connaître. Et une semaine après, nous en confinement jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est peut-être où le retour de Jésus est préparé. Sa parole, si moi t'y connais, n'est plus trop tard. Alors aujourd'hui, pendant qu'il y a encore le jour, pendant qu'il y a encore la connaissance, la grâce, aujourd'hui, te connais. Te connais qu'il est temps de bénir. C'est le temps, amen, pour nous lever. Pour nous arrêter de sommeiller. C'est le temps pour nous préparer nous. C'est le temps pour nous laisser le Saint-Esprit remplir nous la vie. C'est le temps pour nous lever comme un témoin et évangéliser ce monde. C'est que mon partage avec vous ce matin. Il est pour nous bien-être. Vous priez, vous connaissez certainement Dieu et parle dans l'Esprit.